Bonjour à tous, c'est Smaïn de Yes We Trade. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je prends JPP/JPY. Donc, j'ai envoyé déjà l'info sur Telegram. Alors, tout simplement, là, je suis en H4, mais on va essayer de se mettre en H1 pour faire quelque chose de plus beau. Donc, là, on avait vu déjà hier, tout simplement, hein, c'est pas que de hier, nous avons un diamant, un peu bizarre, mais nous avons un diamant. Je vais changer la couleur, je vais la mettre en rouge. Voilà, nous avons un diamant ici. À ce niveau-là, hop. Ça, vous allez voir par vous-même. On a ce diamant un peu complexe. Voilà. Voilà. Ça, c'est un diamant. C'est pas une épaule tête-épaule, hein, parce que l'épaule, vous voyez où ça a creusé. Donc voilà, nous avons un diamant. Là, nous avons bah, sa cassure et en plus sur un support qui a été cassé qui devient résistance maintenant. Nous pouvons voir en fait que c'est le pullback du diamant. On peut voir que c'est le pullback du diamant. Donc là, moi j'ai repris position. On va essayer d'aller chercher au moins les 49 200 pour un premier TP et ainsi de suite. Mais bon, le plus gros TP, voilà, 49 200 pour le premier TP. Bon, prenez le premier TP, mettez-vous 48. 1,49, oui, voilà, excusez-moi, 1,49 200 par là. Après, je pense que le vrai TP, c'est le TP 2 même ou 3, je vous dirais 48 200. Hein. Il y a pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Faire très attention, il y a une annonce économique à 10h30. Hein. Donc, faire très très attention, être vigilant. Donc, voilà, ça, c'est ma prise de position que j'offre aujourd'hui sur Telegram. Je vous dis à très bientôt, c'était Smaïn de Yes We Trade.